à la prière. Tobiangi bino na losambo. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Onkombo yanzambe, tata, mwana pe mulimo musanto. Dieu Tout-Puissant, Zambe wanguya nyoso. Nous venons devant ta sainte face pour louer ton nom et te glorifier. Toye oboso ya bosantu na yo mpona kokumbisa yo mpe kosanzola yo. Avec une profonde gratitude parce que tu es le tout grand. Namite moye tondi botondi mpo ete ozali wa monene. Nul n'est à comparer à toi. Mokote akokani na yo. Ta miséricorde est infinie. Mawana yo ezana sukate. Tu demeures le fidèle. Ozoti kala moyenge bene. Ce qui fait que nous puissions nous réjouir dans ta bonté. Yango ezoti ndabiso mpo ete tosepela na bolamu na yo. Lorsque nous voyons tout ce que tu as créé. Tango tozomona mayemanso yo keli. Nous exprimons ta grandeur. Toali kosanzo la monene na yo. Approche-toi de nous parce que tu as voulu que nous puissions nous mettre derrière l'autel de grâce. Pusana pene na biso mpo ete olingaki ete totelema sima ya mesa ya bonzenga. Afin que tu puisses te manifester devant ton peuple. Na tina toyeba komimonisa oboso ya ekolo na yo. Devant tes enfants. Liboso ya bana bayo. Et devant tes élus. Mpe liboso ya baponami bayo. Nous avons besoin de ton aide. C'est pour que tu puisses mieux amener et rapporter ce que tu voulais déjà et tu avais déjà prévu pour ton peuple. D'emblée, lorsque tu as envoyé ton fils, tu as voulu que ta vie puisse aussi nous être accordé. Et tu as voulu nous ramener dans le bercail. Ainsi, Père, nous allons devenir des détenteurs de ton esprit. Alors, donne accès à ton esprit pour qu'il puisse s'exprimer. Prédispose le cœur de tes enfants pour qu'ils puissent tirer profit de ta parole. Entoure-nous par la protection de tes anges pour que cela soit possible. Nous recherchons l'unité parfaite avec notre apôtre du district, notre apôtre patriarche. Ce sont là les assiettes que tu as pu placer devant nous pour que nous puissions nous servir. Nous souhaiterions aussi être en unité parfaite avec tous les apôtres et nos frères et sœurs, nos bien-aimés. Aide à ce que cette unité puisse se manifester. Nous pensons aux autorités du pays. Bénis-les, tendre Père Céleste. Quand tu choisis un homme pour lui accorder une grande charge, tu lui remets aussi les gens qui peuvent le soutenir et l'aider. Quand tu choisis un homme pour lui accorder une grande charge, tu fais ça pour les autorités du pays. Fais en sorte qu'ils puissent prendre de bonnes décisions toujours et qu'ils puissent bien diriger le pays afin que l'espace nous soit accordé convenablement. Et dans ce climat, l'Église pourra s'épanouir convenablement. Accorde encore plus que nous puissions exprimer en parole. Sois avec nous pour ces quelques moments. T'en supplions au nom de Jésus. Amen.
Amen. L'apôtre patriarche nous a envoyé une parole. En Matthieu chapitre 25, verset 40. Où il est dit. Oyelobi. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Boye mokonzi akozongise la bango. Na lobina bino ya solo. Mbala nyoso bosalisaki ata moto moko ya suka na kati ya bandeko na ngai bosalisaki ngai. Jusque là, on peut prendre place et la chorale peut nous. Kino wana tozo esika kuvanda bayembi basalisa biso. Tu peux aimer les longs du chemin. Peut-être sur les sols épineux, tu peux s'aimer dans les bons terrains et parfois dans les champs rocailleux. Et que vas-tu récolter? Que vas-tu récolter? Merci pour la chorale. Matondo mpona bayembi. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Balingami katina Christo. Chers frères et sœurs en Christ, distingués invités. Balingami mibali mpe basi katina Christo mpe biangami. La parole que nous venons de lire. Lilobo otouti kotanga. C'est une parole qui est sortie de Jésus lui-même. Ezali lilobo ebimi epa yankolo na biso Yesu yemei. Cette parole nous interpelle. Pour que nous puissions nous sentir responsables les uns des autres. Et que nous puissions aussi nous entraider mutuellement. C'est comme qui dirait, nul n'est parfait. Mais alors nous pouvons être parfaits. À travers notre Seigneur Jésus. Qui est Jésus? Oyazali Jésus. Qui est-il? C'est Jésus. Nani wana Jésus? Il est notre Sauveur. Azali mobikisi nabiso. Il est notre Rédempteur. Azali mosikoli nabiso. C'est lui qui a créé l'église qui est dirigée aujourd'hui par les apôtres. C'est lui qui s'est sacrifié sur la croix pour que la vie issue du Père puisse nous parvenir. C'est lui l'unique médiateur entre peuple et Dieu. Et nul ne peut se comparer à lui. Il ne peut prendre sa place. Il reste égal à lui-même. C'est à travers lui, avec lui, que tout a été créé. Il est le témoin véritable. Lorsque la prophétie avait prévu son existence et sa naissance, tango masakoli sakolaki botami na yempe bomoyi na ye. Il ne pouvait pas être quelqu'un qui va attirer les gens vers lui. Akokaki kozala te muto akokaki kobenda batu epene na ye. À partir de sa beauté, par exemple. Tango musu kotala kitoko na ye lokola ndakisa. Jamais. Ata mokete. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 52, verset les trois derniers versets. Et 53, les cinq premiers versets, qu'il était du visage défigurant,
Et comme mina mukanda ya Isaya na kapo ya tuku mitano na mibale na mulongo ya kotanga ya misato mpene Isaya na mulongo na mukapo ya tuku mitano na misato na nzela ya kotanga ya mitano tikuna na se. Donc personne ne peut s'approcher de Jésus parce qu'il est beau. Non. Mutu moko ta kwako pusa na pene na Yesu mpo azali kitoko te. Mais en lui régnait la vie du Père qu'il pouvait communiquer avec les autres et que ses élus devraient venir vers lui. Nzokande na ye ndebo moya tata e bandai kobike pa na ye mpona kotelse mususu mpemba ponami ndesengela kibapusa na pene na ye. Et de ceux qui se sont approchés de lui, mpena ba ebanso ba pusa ni pene na ye, ils ont découvert qu'il était réellement fils de Dieu. Ba yoko mone te ya solo azalaki mwana ya Nzambe. Il n'avait pas d'autre voie à emprunter. Azalaki na manzela mususu ya kozwate. Il se sentait apaisé et il se sentait satisfait. Azalaki komio katangu nyusu ya kosepele pe tangu nyusu azalaki na kimya. C'est à ce titre que lui-même a dit: Ndena ntina wana ye moko alobi, ne suivez pas les pharisiens, ne suivez pas les scribes, ne suivez pas les sadducéens. Alors, il y a des pharisiens, des scribes, des sadducéens. Tout ce qu'ils sont en train de faire et de dire, c'est un travail qui rend témoignage de moi-même et de mon Père. Et pour ce faire, il était question d'abandonner là où on était et tout ce qu'on connaissait pour suivre le Seigneur. Et sengela ki to sundola nyoso to bandaki kosala nyoso to zalaki na yango mpona kolanda nkolo. Là ça peut se lire dans Matthieu 23. Wana toki otanga yango na mukanda ya Matthieu na nzela ya tukumi bale na misato. Puisqu'il en était ainsi, alors le Seigneur a trouvé bon de pouvoir créer son église tel que je viens de le dire. Lokolo zalaki bongo nkolo ekomona ete zalaki malamu mpona kokela eglise ya naye. Et il a mis de l'ordre pour que pour que cette église soit dirigée par les apôtres. Et lui-même, Jésus, il fut premier apôtre. Ce qui prouve que le nom apôtre n'est pas venu de quelqu'un d'autre ou d'une inspiration humaine, mais c'est arrivé de l'inspiration divine. Ça peut se lire en Hébreux chapitre 3 verset 1 jusqu'à 3. Il est grand prêtre. Azali nganganzambe ya monene. Il vaut plus que Moïse. Aleki kutuna Mose. Mais il fut aussi apôtre. Mpe azalaki pentoma. Alors, puisqu'il avait trouvé qu'il existait beaucoup de voies par lesquelles les gens pensaient rencontrer Dieu, il les a considérés comme une maison construite sur le sable. Alors là, contre les intempéries, ça tombe et ça s'écroule. Il a pensé créer, construire une église, mais comme une maison bâtie sur une pierre. Akanisa ki kotonga ndako ya makasi lokola ndako église ya lokola ndako etomkami likolo ya mabanga. Raison pour laquelle il avait choisi Simon fils de Jean. Ndetina ponaki Simoni mwana Yohani, puisque en lui il voyait les vertus de la pierre. Mpoete na ye abandaki komona makambu nyoso ya malamu ya Petelo. Mais pour qu'il puisse voir Pierre, il fallait qu'il puisse envoyer quelqu'un aller le chercher. C'est son frère André qui est allé le chercher. Juste à l'arrivée, il lui dit: Tu es Simon fils de Jonas, mais je te ferai Pierre. Ça signifie quoi, Pierre? C'est ce que nous appelons aujourd'hui apôtre patriarche. C'est ainsi que, après avoir choisi les Simons là, à qui il avait promis d'être Pierre, il a fallu du temps pour voir est-ce que ça peut se confirmer oui ou non. Voulant savoir ce qu'il était, alors Simon a donné la réponse qui venait du ciel. Simon a copé ses notes à Outa Kilikolo. Tu es Seigneur Jésus, fils de Dieu vivant.
Ozali mokonzi, moi nzambe tata wa bomoi. C'est ainsi que il lui dira. Ndeyango ayeko yebisaye. C'est aujourd'hui que tu es devenu Pierre. Le londo koko mapetelo. Je t'avais fait promesse. Na pesa kiyo elaka. Mais maintenant je confirme que tu es Pierre. Le londo kokisi yango tozali petelo. Et il ajoutera. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, jusqu'au jour où Christ parlait, le concept église n'existait pas. Le nom église n'existait pas. C'est cette église-là que Jésus a pu fonder. Après avoir prié toute la nuit, il appela les disciples qui étaient nombreux. Il en choisit 12, auxquels il donna les 12 apôtres. C'est ce jour-là que Jésus a fondé l'église. L'église est composée des disciples et des apôtres. Et tout acte que les apôtres devaient poser s'appelait acte apostolique. Et il a pris 3 ans et demi avec pour les former et les initier à l'œuvre de rédemption. Ce que je viens de dire, ça peut se lire dans Matthieu 16, verset 18. Ça peut se lire aussi dans Luc 6, verset 12-13. Et notre apôtre des disciples nous a donné la mission donnée aux apôtres. Allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après que vous aurez le temps de leur apprendre. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, verset 19 jusqu'à 20. Cette mission, elle est d'actualité jusqu'à ce jour. Pour que les gens deviennent membres de cette église, il faut qu'ils reçoivent le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Et qu'ils puissent aussi fêter la Sainte Cène. Et les trois sont d'accord, tel que c'est stipulé dans 1 Jean chapitre 5, verset 7-8. 1 Jean chapitre 7, verset 8. 1 Jean chapitre 5, verset 7 jusqu'à 8. 1 Jean chapitre 5, verset 7 jusqu'à 8. C'est ainsi qu'on devient membre de l'Église. Nul ne peut s'en passer. Quelqu'un qui adhère à cette idéologie, il devient membre de l'Église, il devient chrétien. La formation étant arrivée à la fin, après 3 ans et demi, Jésus a demandé à ce que le travail puisse commencer. Mais avec les apôtres. Après que le Saint-Esprit qui l'avait promis puisse arriver. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, effectivement, c'est parce qu'il était monté au ciel, demander à son Père. Et les apôtres se sont mis au travail. J'avais lu dans la Bible de Jérusalem, au deuxième chapitre, qu'il était question des premiers chrétiens. Actes des apôtres. Mais vous pouvez vous passer chrétien comment sans que vous ayez connu ce que je suis en train de dire. Vous pouvez vous déclarer chrétien comment, pendant que vous n'avez pas reçu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit à partir de ce que Jésus a envoyé. Et le Seigneur qui les a envoyés a dit, ben Christo atindi bango alobi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Puisque tout le travail que je viens de faire va nécessiter à ce que je m'en aille chez mon père, que je retourne chez mon père. Je vais préparer une place pour que je vienne vous prendre. Non seulement vous,
Et aussi avec ceux qui vont rester croire en moi à partir de votre parole. Jean 17, verset 20. Parce que cela est possible. Jésus est monté au ciel. Deux anges sont descendus pour confirmer que allez attendre seulement l'accomplissement de la promesse. Et ils sont rentrés avec le miel et le pain qu'ils mangeaient. Je pense que les autres en ont gardé comme réserve au lieu de consommer tout parce qu'ils étaient stupéfaits de voir Jésus s'élever. Arrivés à Jérusalem, le Saint-Esprit est descendu. Alors c'est ainsi qu'ils se sont mis à parler. Ils apprécient beaucoup la glossolalie, c'est-à-dire parler en langue. Ils sont nombreux, ils aiment ça. Mais suivez, Pierre a pris parole pour dire arrêtez. Et la glossolalie a pris fin. Des sonomélies, 3000 sont devenus premiers chrétiens. 3000 en recevant le baptême d'eau et celui du Saint-Esprit. Cela s'est poursuivi jusqu'à Antioche. 5000 sont devenus chrétiens. Cela s'est répercuté partout. Certains des pharisiens, certains des sadducéens, certains des scribes se sont fait baptiser. Tout celui qui reçoit le message de Jésus, il recevait la lumière et il devenait par conséquent enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. C'est ainsi qu'il est conseillé à ceux-là qui sont devenus membres aujourd'hui. Tout ce que vous aurez fait à un de mes petits, vous l'avez fait à moi-même. Maintenant que cette parole est lue, tirée des textes des adieux que le Seigneur faisait aux apôtres, lui étant l'unique qui règne sur la terre, sous la terre et dans les cieux, se trouvant maintenant dans les cieux à côté de son Père, il demande à ce que nous puissions avoir une conduite, un comportement conséquent. L'application de la loi royale. La loi de l'amour. Et il disait que le médecin était venu pour les malades. Lorsqu'on les trouvait devant les publicains. Lorsqu'on trouvait Jésus devant les publicains. Lorsqu'on trouvait Jésus devant les Samaritains, les gens de niveau bas, ceux qui étaient beaucoup plus grands, toujours en robe blanche, voulaient des places, toujours les premières places, ils occupaient les premières places, ils s'indignaient de cela. Mais Christ disait que c'est pour eux que je suis venu. C'est ainsi qu'il s'est mis au travail pour que ces gens-là puissent aussi se transformer en membres. Si vous aimez Dieu, vous devez aussi aimer votre prochain. 1 Jean 4. De ce fait, nous aurons réalisé des grandes œuvres. Christ lui-même a eu à le faire vis-à-vis de ses disciples. Il a eu à les récolter par-ci par-là. Il les a même envoyés pour aller travailler. À leur retour, il dit, écoutez, venez, vous devez quand même manger. C'est écrit dans Marc chapitre 6, verset 31. Il est allé plus loin jusqu'à connaître, même réaliser la multiplication des pains et des vins.
Après avoir béni les pains et les poissons, il a demandé aux apôtres de distribuer. Et par la suite, ramasser le reste, c'était en 12 corbeaux. Or, ces apôtres étaient au nombre de 12. Imaginez-vous seulement la suite. Parce qu'il avait déjà levé l'option de pouvoir les servir. Il a accompli ainsi parce que tout le monde était rassasié. Il avait mangé à sa faim. Alors, maintenant que nous sommes devenus les brebis, les agneaux de notre berger Jésus. Sommes-nous devenus des saints? Est-ce que tu as commis des saints? Assurément, oui. Il y a solo tu as commis des saints. Sommes-nous devenus ses imitateurs? Tu as commis des mécoliers? Certainement, oui. Iyo, tu as commis des mécoliers. Sommes-nous devenus ceux qui lui appartiennent? Tu as commis des oyo bazali ya ye. Tout à fait, d'accord. Solo. Mais en dépit de tout ça, mais sommes-nous épargnés des tracasseries humaines? Makamboto kokoso ya mokilo yo ekoki kokome la bisote. Nous sommes concernés. Tozali ba yeba kokutana na yango. Mais qu'est-ce qu'on demande? Kasi nini bazali kosenga? Nous devons nous entraider entre nous. Nous devons nous servir entre nous. Nous devons aussi solliciter l'aide divine pour que ça puisse faire pleuvoir beaucoup de biens. Notre Père est en abondance. Nous, ses enfants, nous devons aussi être en abondance. C'est cette richesse-là que nous devons avoir à tout moment et à tout temps. Et la richesse ne doit pas être seulement matérielle. Elle est beaucoup plus spirituelle. Quelqu'un qui ne connaît pas la voix du Seigneur, vous allez lui parler de ça. Peut-être il va vous rejeter. Mais quand vous retournez chez vous, intercédez pour lui. Dieu qui a touché votre cœur, il peut toucher aussi les siens. Et demain, il va devenir aussi enfant de Dieu. Et en ce moment-là, ça va se réaliser la parole que Christ avait dit. J'ai encore d'autres brebis qui traîneraient dans d'autres bergeries. Ils entendront ma voix. Et ils viendront pour qu'ils puissent prendre place dans cette bergerie. À l'époque de Jésus, les pharisiens sont venus. Ils se sont divisés. Les autres pour Jésus, les autres contre Jésus. Il en est de même pour d'autres confessions religieuses. Et nous vivons ça aujourd'hui même. Ils sont nombreux à glorifier Dieu en commettant beaucoup d'erreurs. À l'œil nu et spirituellement parlant. Mais quand c'est à l'œil nu, là, il faut quand même qu'on dénonce. Le Seigneur nous a appris à prier. Il dit, si vous voulez prier, le vrai Dieu, priez en joignant les mains. Mais vous trouvez quelqu'un en train de lever les mains pour prier. Dites-lui que le Seigneur est contre ça. C'est visible à l'œil nu. Le Seigneur nous a appris à mettre de l'offrande. Oui, même l'aumône. Quand vous donnez avec la main droite, mais que la main gauche ne le sache pas. Mais quand vous voyez les gens en train de danser avec, et puis de gesticuler, et puis montrer, présenter tout ça, mais il faut les interpeller. Chers frères et sœurs, vous qui écoutez aujourd'hui ce message, prenez la résolution ferme de changer.
le péché continue à s'abattre sur nous. Masumu ezokoba ko kite la biso ko kwela biso. Parce que le responsable, le tuteur de ces péchés là, c'est le diable. Mpote kolo lisumu oyo, kolo masumu oyo nde Satan. Diable a ses anges. Satan na banze lunaye. Il vient s'attaquer aux élus du Seigneur. Bazoya tangu nyoso ko lukela bapona mi ankolo makambo. Vous savez ce que le péché fait? Bozoya ba mai masumu zo sala. Le péché nous rend prisonniers du malin. Masumu ezoko misabiso baumbu ya monguna. Le péché nous rend malade. Masumu ezoko misabiso batu ya bokono. Le péché nous sépare de Dieu. Masumu ezoka bolabiso na nzambe. Mais lorsque ce constat est consommé, kasitango makambo wana salami, nous avons un recours. C'est Christ lui-même qui a pu peser de tout son poids pour résorber ce péché et nous accorder la vie. C'est pourquoi nous lui faisons confiance jusqu'à preuve de contraire. En attendant qu'il revienne nous prendre, il faut qu'il nous trouve, nous, en train de tenir bon. Et au sein de l'église, il y a le pardon des péchés. Au lieu d'aller pleurnicher partout, péché, je ne veux plus de vous, non. Venez là où on pardonne les péchés. Jean chapitre 20, verset 21 jusqu'à 23. Tout celui à qui on pardonnera les péchés seront pardonnés. Et c'est gratis. Pamba. Ce n'est pas que vous devez donner, que sais-je moi, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Il y a encore d'autres possibilités de comprendre que Jésus est le Maître et le Seigneur. Lorsqu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est pour que vous puissiez aller porter des fruits. Et les fruits en abondance. Je suis le cep. Le tronc d'arbre. Et vous les apôtres, vous êtes les sarments. Tout sarment qui ne restera pas attaché à moi va devenir comme un bois mort. Et mais tout sarment qui va s'attacher à moi va porter beaucoup de fruits. Et Christo a kobota bambou mebele. Ça se constitue encore. Ezo sangisa nyoso. Encore du Christ. Na nzoto ya Christo. Où nous-mêmes nous sommes aussi les parties de son corps. Toute souffrance, toute perturbation que nous connaissons, c'est la tête qui en souffre, Jésus. Il ne va pas nous abandonner comme ça, notre triste sort. Il va venir toujours au secours. Nous consoler. Nous remettre sur la bonne voie. Et d'autant plus que nous pratiquerons de l'amour. Puisque Dieu est amour, je dirais même que Jésus est amour. Et l'apôtre Paul a dit que l'amour bannit tout. Si nous appliquons cet amour entre nous, frères et sœurs, nous serons les serviteurs formidables de notre Maître Seigneur Jésus. Et nous vivrons de l'unité. Et là où il y a de l'unité, il y a la force. Et il y a la présence de notre Père Céleste. Amen. Amen. Je suis accompagné de l'apôtre Soukadi André. Natamboli Nantoma Soukadi André. Je l'invite à l'hôtel pour que nous puissions aussi l'écouter. Nous sommes ensemble. 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 Nous somm
Chers frères et sœurs, Balingami Mibali Pebasi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les services divins à travers notre apôtre Charles. Nalandina boke binyonso losambo nanzela ntoma na biso Charles. Dans sa prière d'introduction, il a demandé à notre Père Céleste qu'il soit utilisé comme outil. Na losambo na ebandeli asenge patete na biso likolo mpoete asale la yelokola eloko a musala. Et que lui ne puisse rien dire si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et vous comme moi, nous avons suivi, ça s'est manifesté noir et blanc, que c'est l'Esprit Saint qui a parlé dans son serviteur. Et dans sa prédication, j'ai retenu que nous sommes tous les membres du corps de Christ et que Christ lui-même c'est la tête. Nakati ya matenda nene simbe loko moko ya bolobiete biso banso tozali biteni ya nzoto ya Kristo oyo Yesu yemo kwazali mutu. Il est allé dans détail pour nous expliquer la grandeur et la profondeur de l'église du Christ. Akepenza mosika pona kolekisa biso bonene ya nkolo na biso Yesu Kristo. Et en conclusion, il nous a fait voir qu'il y a un jugement écrit dans la Bible que tout le monde attend. Et na pona kosukisa ke pona kobisa ezali ne sambiselo. Tous les chrétiens qui sont membres de l'église de Christ parlent de ce jugement dernier. Christ nyonso ba bazali bana ya Nzambe bazali balobela kalikambo etali esambiseli ya suka. Et il se prépare en conséquence. Mpe bazomi lengela na lolenge ekoki. Aujourd'hui, à travers notre apôtre, l'Esprit Saint vient de nous révéler une chose. Au lieu d'attendre le jugement dernier, il faut déjà commencer à se préparer pour ne pas passer au jugement. C'est pourquoi dans l'église de Christ, on distingue aussi une partie qui est appelée l'église épouse. L'église épouse est composée de vivants et de morts. L'église wana est sangisi batu ya bomoi na batu bawa. C'est pourquoi on parle de la première résurrection où les morts vont ressusciter. Neti na bazolo bela likambo ya bosekwi ya yambo wapi ba kufi ba kosekwa. Comme c'est un processus, pendant la résurrection, il y aura aussi la transmission des vivants. Lokola ezali musalo ya kosalama na bosekwi ya yambo bazolo bela pe likambo ya kobongwa ma ya batu ya bomoi. Et c'est cela qu'on appelle le retour de Jésus-Christ. C'est ce que nous attendons. Jésus revient pour prendre son épouse. Au lieu d'attendre le jugement dernier, nous, comme enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu nous exhorte aujourd'hui que nous serons mesurés par la mesure d'amour. C'est pourquoi nous devons tous témoigner de l'amour à notre prochain et à notre Dieu. C'est dans cette optique-là que Jésus a révélé qu'il est notre frère. Et au jour J, il dira, toutes les fois que vous avez fait cela à ces petits, c'est à moi que vous aviez fait. L'apôtre vient de nous expliquer que les frères et les sœurs de Jésus ne sont pas épargnés de tribulations. Nous sommes sujets aux tribulations, aux afflictions. Malgré tout cela, nous devons toujours témoigner de l'amour. L'amour, c'est notre emblème, c'est ça qui nous distingue des autres. Il faut que ce soit un amour palpable. Je me rappelle de ce que notre apôtre patriarche a dit le mois passé. Les questions que les gens se posent, pourquoi tout ceci arrive? Tout arrive, mais l'œuvre de rédemption continue. C'est à nous mettre jusqu'au jour du Seigneur. Amen. Amen. Il est certain
que Jésus reviendra. Ezalia solo ete Yesu akozonga. Il viendra prendre les apôtres et ceux qui auront cru en Jésus et en Dieu à travers leurs paroles. Akoya kozo bantoma na ba ebanso ba kondima Yesu na kati ya mateya na bango. Mais il y en a aussi qui vont rester. Justement, ce sont ceux-là qui vont subir le jugement de Jésus. Récemment, on a dit qu'ils seront jugés par les paroles de Jésus lui-même déjà. C'est parce que lorsque Dieu va envoyer Jésus, Jésus ne va plus toucher cette terre. En fait, c'est ça la finalité. Hein? Jésus revient. Jésus azongi. À un signal donné. Na moi et les momoko boye. Les morts ressusciteront. Bakufi basekwi. Les vivants seront transmués. Et tout œil verra Jésus. Apocalypse 1, verset 6-7. Et ne monteront vers lui que ceux qui auront les sceaux de filiation divine sur leur visage, sur leur front. Ça, c'est l'apanage des apôtres. Je dirais même que c'est l'apanage de Jésus. Et comment cela se fait? Par imposition des mains d'un apôtre vivant. Où vous êtes, vous pouvez imposer les mains à quelqu'un. Est-ce qu'il aura ces sceaux-là? Mais avec les apôtres, on impose la main. Les sceaux de filiation divine demeurent. Apocalypse 7, verset 1-3. Apocalypse chapitre 7, verset 1-3. Et Jésus reconnaîtra les siens à partir de ça. De la même manière que Abraham et Isaac avaient reconnu la femme que Eliezer était allé épouser. C'est de la même manière que Christ reconnaîtra les siens. Et nous entrerons dans la gloire du Père. Il est dit en Apocalypse que la ville là dans laquelle nous allons entrer, il y aura trois portes sur chaque mur. Et au-dessus de chacune de ces portes se trouvera le nom d'apôtre. Vous ne trouverez pas le nom de Soukari, le nom de Ntumba, non? Vous trouverez le nom de grandes vertus. Vous trouverez le nom de la foi. De l'amour, de l'espérance, de la justice, de la droiture. Il y aura des noms de la paix, le nom de la vérité. 12 grandes vertus. Et comme Pierre fut et qu'un des autres apôtres, même de la Chine, même de l'Europe, même de que sais-je encore, il a aussi la foi. Il entrera par cette porte. C'est pourquoi nous devons nous battre. L'apôtre a dit, nous devons nous battre, nous devons être conséquents. Parce qu'au jugement dernier, nous ne souhaiterions pas être comptés parmi ceux qui vont être jugés, mais parmi ceux qui vont être pris. Le pavement seulement de cette maison-là, c'est en or. Ça, on a montré à apôtre Jean.
On a montré aussi à Daniel. Balakisi pe na Daniel. Mais comment est-ce que vous pouvez entrer là-bas pendant que vous ne brillez pas, vous n'allez pas briller comme l'or? Vous vivez dans la discrimination des gens. Vous vivez dans le tribalisme. Vous vivez dans la chair. Or, les œuvres de la chair vont périr. Il faut vivre dans les œuvres spirituelles. C'est de cette manière-là que Paul avait dit aux Galates. Chapitre 4, verset 16. Chapitre 4, verset 16. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Est-ce que nous demeurons ensemble? Parce que la promesse est encore en cours. Que nous puissions nous amender. Nous puissions nous repentir pour que nous puissions croire en Dieu et en Jésus à travers les apôtres. Ce sont eux-là qui vont nous indiquer le chemin. Amen. Amen. Nous arrivons maintenant à la sommité de notre service divin pour que le pardon puisse être agissant. Pour que nous puissions aussi en tirer profit. Regrettons amèrement ce que nous avons commis comme bévue. À la lumière de la parole, si la conscience est touchée, que nous puissions reconnaître notre mal. Le Seigneur est à la porte. Il peut nous aider pour que nous puissions nous ressaisir. Nous demandons le cantique de repentance. C'est contre toi que je lutte, demandons à la communauté de se lever. Réciter la prière que Jésus nous a enseignée. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Merci, très cher Père Céleste. Matondo, Tata Walikolo, Nzambe wa Bolingo. De nous avoir accordé ta parole au-dessus de cet autel de grâce. Merci, tendre Père Céleste, pour avoir permis de partager cette parole avec tes enfants, avec ton peuple. Aide-nous, tendre Père Céleste, à ce que nous puissions faire répandre ça à travers les autres. Et que sa répercussion soit au rendez-vous
Merci aussi d'avoir pardonné nos péchés. Nous ne savons pas à quelle hauteur ça s'est trouvé déjà. Mais tu as écrasé. Et nous sommes libres. Et cela possible à travers le sacrifice de ton fils. Il a fait couler son sang pour que les mauvais se répandent et que ceux qui désespéraient puissent espérer. Rends-nous dignes à être capables d'appréhender cette parole pour que nous puissions la mettre en pratique. Père d'amour et de bonté, fais en sorte que nous puissions demeurer tiens. Te le demandons ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons clôturer. Bon Père Céleste, Tata Walikolo, tu nous as permis de passer des bons moments dans ta maison. Ta parole nous a réconfortés, nous a vivifiés. Il a affermi chacun d'entre nous dans sa foi. Il nous a rendus libres pour renouer avec la richesse divine reçue depuis le jour de notre baptême. Il nous a rendus libres pour faire montre à notre prochain. T'accepter ne pose pas de problème, mais accepter notre prochain, il y a des difficultés. Aide-nous à nous transporter les uns les autres dans nos cœurs. Aide-nous à nous entraider, tendre Père Céleste, pour atteindre notre but de la foi. Aide-nous aussi à être ensemble, tous les apôtres, pour que nous puissions constituer la force du ciel. Aide-nous, tendre Père Céleste, pour qu'il n'y ait pas de divergence dans le mal entre nous. Nous n'avons pas besoin d'être grands devant les uns les autres. Mais suivre le modèle de notre Maître Seigneur Jésus. Comme serviteur. Comme celui qui se donne pour les autres. Sans distinction des races, sans distinction des tribus, sans distinction des clans, que ceux qui sont en bas de l'échelle par rapport à la connaissance, que nous puissions aller vers eux. Afin que leur connaissance puisse croître. Nous souhaiterions toucher le corps sensible de ton fils et de toi-même. Ainsi, nous allons espérer à ta présence au devant de nous. Protège-nous par tes anges. Ne nous abandonne pas. Et sois avec notre apôtre de district, apôtre patriarche. Merci d'avoir planifié toutes choses pour que nous puissions voir l'apôtre patriarche ici au mois d'octobre. Ce serait une grande joie de retrouvailles. Bénis les autorités du pays. Jamais tu permets à quelqu'un de prendre la charge, si lourde qu'elle soit, sans lui accorder les aides, les béquilles. Aide les autorités du pays en général pour qu'elles puissent prendre de bonnes décisions. Crée de l'espace socioculturel convenable pour que l'Église puisse vivre en paix.
Salisa mpoete eglise mwana Yesu Christo eye bako bika nakati ya kimia. Nous pensons aussi à ceux qui sont dans l'au-delà. Ils ont besoin de ton aide. Sois avec eux, tendre Père Céleste, pour que nous continuions à attendre le retour de Jésus. Plus que nous puissions exprimer en parole, exauce-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bonzenga yankolo Yesu. Bolingo ya Nzambe, mpebo kwa mwelimu esantu, ezala na bino banso. Amen. Prendre place, s'il vous plaît. Et la chorale peut chanter.